numéro. Bonsoir. C'est le beat de la 2, la seule émission en Côte d'Ivoire qui se fait sur la plage et qui a la bénédiction des aïeux, des cieux, bien évidemment, de la météo. Le temps n'est pas clément, on espère que tout va être bien. Parce que au moment où je vous parle, il tombe des gouttes. On va prier les aïeux, on va prier que tout rentre dans l'ordre. Franchement, cette émission est une sorte de bénédiction. Cette émission a la grâce, comme le chantre ou la chanteresse, grâce du ciel. Que voici. Applaudis bien fort, grâce. Vous êtes contente de participer à cette émission? Je suis très contente de participer à cette émission. D'accord.
La chanson, quel est le titre? Le titre de la chanson, c'est le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la Pentecôte? Pendant la Pentecôte, je suis allée dans une assemblée où j'ai parlé de Jésus. J'ai dit ce que le nom de Jésus peut faire dans une vie. Et il y a eu des miracles, des guérisons. Alléluia! Au nom de Jésus. C'est un album. Oui, c'est un album de 10 titres. Quel est le titre de l'album? Le titre de l'album, c'est Destinée de gloire. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et ça ne sera pas la dernière fois qu'on vous ressort dans une telle émission. Merci. Et à bientôt. Public, merci. On peut l'accompagner avec les applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes beaucoup suivis dans la sous-région. On va saluer nos amis qui sont en Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, sans oublier la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Allez, nous allons recevoir dans cette émission un garçon qui dit en baoulé que quel que soit bêta et alpha, lui, il fera tout pour réussir dans son activité, la musique. Il fait de la variété, sa particularité, c'est le raga tradi baoulé. Voici Mike Boni dans le Bine la 2. Mike from Kingdom Music. Mike Bonifita. Bonifita. Mike Bonifita. Bonifita. Y'a frère, le ticket blanc on s'est frère. Moi yo, le ticket blanc on s'est frère. Moi, que blanc on s'est. Non, le coup. Que blanc on s'est. Non, le yon. Que blanc on s'est. Non, le sang. Que blanc on s'est. Non, le nom. Que blanc on s'est. Anglo-so, anglo-mo-chue, anglo-mo. You say anglo-sango, we were so. Oh, mon fiti, no. Oh, mon fiti, no. Oh, mon fiti, no. Oh, to a go, oble to a ti. Yen ya to ma mi cha na gri tu o che. Ble, 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 ble. Fiti, no. Fiti, no. My bonny fiti. Bonny fiti. Mike's from Kingdom
Il s'appelle Mike Pony. Dans le beat de la 2. Vous voyez que tu viens de réveiller le public. Public, qu'est-ce qu'on fait pour Mike Pony? Mike Pony, ça va? C'est vrai que mon baoulé est saccadé. Je ne suis pas trop rompu à la langue baoulé. Qu'est-ce que tu dis dans cette chanson? Tu chasses qui? Qui doit partir? Dans cette chanson, mes parents m'interpellent. Qu'on aille au village. Ils me disent, ça fait 30 ans que tu chantes, on ne voit rien. Ils sont en train de vendre les forêts. Si tu ne viens pas maintenant au village, tu n'auras pas de forêt. Sorte et allons au village. Je voulais dire, je suis comme une femme enceinte. La femme enceinte, ce n'est pas un mois, c'est pas deux mois. C'est 9 mois au-delà. Si Dieu le veut, je vais sortir. Il est optimiste. Hein? Il est optimiste. Et je vais te le dire, les premiers patrons des artistes, ce sont tous ceux que tu vois là. C'est le public. Merci frère. Si merci, le public frère. Te porte dans son cœur, il n'y a pas de raison que tu ne continues pas. C'est merci, pareil pour nous. Le public, on peut l'applaudir parce qu'il a... Voilà. Merci. Est-ce que tu prépares maintenant un album? Est-ce que tu prépares un album? Oui, 8 titres. Je viens de finir. Studio. Approche le micro. Approche le micro. J'ai fini 8 titres. L'album s'appelle Enfin. Arrangé par Mike Son Kinda, un jeune arrangeur qui fait des merveilles du côté d'Abobo. Merci beaucoup, garçon. Merci, grand frère. Et merci. À bientôt. Merci. Je vous présente maintenant dans cette émission un garçon qui réside à Saint-Pétro. Son village s'appelle Carago. D'où le Caragolais, c'est son nom. À titre de rappel, il a été le danseur des Clés Salées au milieu des années 2000. Il a décidé désormais de voler en carrière solo. On lui souhaite bonne chance et plein de succès. Voici le faiseur de Youssoumba qui nous vient de San Pedro. L'homme s'appelle Wemba Yato. Il fait de Youssoumba Ndombolo. C'est une affaire d'Akame, Renault Texaco. On va caragoliser la Beyoncé avec le caracolaire qui dit mieux. Allez maman, faut pas demander qui a chanté. Wemba Yato de l'autour pour vous donner les mélodies. Allez papa, venez danser le bambolo. Je vous invite, ce son qui prend le pouvoir désormais. Ah, tu veux pas, tu vas danser. Tu veux pas, tu vas bouger. Et tu veux pas, tu veux pas, tu vas suivre. Allez soupagé là, à soupagé. Venez danser, soupagé là, à soupagé. On te parle de danse, tu parles de quoi? Faut pas d'indé, c'est Wemba Yato. Le caragolais, le caraco, toujours Nicolo, même à Corogo. Ah, le caracara de retour, toujours calé dans les quinquiens. Le caracara de retour, toujours calé dans les. Allez, maman, nabana, eza, yo, kabilango. Allez, il y a des gamma, eza, maman, nabana. Ange, attends, allez, tout à quatre, façon racido. Depuis la France, et... tout le monde est à l'équipe de Swenga, Nayo. Allez, soupagé là, soupagé, venez danser, soupagé là, ah, soupagé. Maman passe Sylvie, woko, 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 woko. Tu connais pas, faut demander à Dieu qui je suis. Je suis Wemba Yato le caragolais. Toujours présent. Yaku, la force tranquille. La li la li la. Bokolo, boko, boko, boko. Si c'était télébina, ma boko, boko pour essayer. Papa Emmanuel. Ah ah. Oyo, bote les tinga kaite, milo, tsusubi. Ebete kangaye. Esi botongo loko makama asi tete yoko kangate. Oh elile, elile elile, oh elile, oh bu. Je ne peux pas trop ajouter sinon on va dire que c'est les mêmes familles. Néanmoins, on peut dire ça. Alaki. C'est la guitare à Kamando Lobo, Tite Satsayebo, Ogete Tedo, Zeke. Maman, merci à toi. Et ça toujours très, 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 très,
Massi, gentil, moulé, roulé, j'ai sauté, gâte le coin, gâte le coin. Maintenant, César, maintenant, on se calme. Litia, yao, la caragoulesse. Doucement, j'ai dit doucement. Tommy Patrice, Saïpano. Est-ce que tu peux applaudir très fort pour Wemba Yato? Applaudis très fort pour Wemba Yato, Wemba le caragoulesse. Yapo, Jean-Claude. Yeah, tchou les gars. La racine. Tchou les gars. Principal. Tchou les gars. C'est pas la peine de continuer, sinon tu vas te tiller ici. Wemba, yes. Yato, toujours le caragolais. Le papa, le est-ce papa Wemba de la Côte d'Ivoire. C'est le papa Wemba de la Côte d'Ivoire. Wemba Yato, merci. Public, yes. Qu'est-ce qu'on fait pour Wemba Yato, s'il vous plaît? Merci. Merci. Tu vas bien? Tu vas bien. D'accord. De la danse à la chanson, il n'y a qu'un seul pas. Tout à fait. C'est fini, tu danses plus pour l'artiste maintenant. C'est fini. Tu danses pour toi seulement. Je danse pour moi maintenant. D'accord. Merci. Qu'est-ce beaucoup. Que tu dis dans cette chanson? Cette chanson, le titre c'est Soupadje. Soupadje veut simplement dire en bakoué et crasse le piment. Tu es bakoué? Je suis bakoué. D'accord. Je vais te donner l'opportunité de parler en bakoué. Dis à tes parents en bakoué oui? de acheter ton album pour que tu sois riche. Je donne un exemple. S'il y a 10 000 bakoué, bakoué oui? En raison de 3 000 francs par tête, ça te fait combien? C'est beaucoup, hein? Tout à fait. Donc, il faut leur dire ça. Vas-y. Ah ouais, n'a tout yami, un trami, kakaka. Abe, j'en repars à mieux. Moudara, Wemba Yato, le caragolais. Ah ouais, un bradou, basouna, cassette, nous sommes amenés pas haut, un trami, un ayokao, ayoka et deux. Merci. La particularité de nos amis qui sont dans les zones balnéaires de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle un peu une base ethnique. Ce que tu as dit, il y a un peu de Dida dedans. Moi, j'ai compris. Est-ce que tu es content de participer à cette émission? Parce que tu es passionné. Nous, on te donne un coup de main parce que tu es passionné. Merci tu beaucoup. Tu es content de passer ici? Je suis très content, très heureux, d'accord, franchement. D'accord. On m'a dit que tu es marié maintenant. Oui, j'ai fait ma dot le 29 voilà. avril. Donc, dis à ta femme que tu l'aimes. Que, wow. Voilà. Faut lui dire, dis Lydia son nom. Lydia Yao la caragolaise, tu sais et je sais, non, je t'aime mon cœur. Dis son vrai nom qui est sur papier. Elle s'appelle Yao Amoué Christelle. Oui. Son nom d'artiste, Lydia Yao la caragolaise. Mon bébé, je t'aime de tout mon cœur. Merci beaucoup, c'est fait. Merci beaucoup. Un garçon qui a décidé de faire un hommage à Eka. Eka, pour tous ceux qui sont sur les médias sociaux, c'est une influenceuse ivoirienne qui s'appelle à l'origine Emmanuel Keita. À Tiegbakro est son village. Son premier single baptisé Hello a fait plus d'un million de vues sur Facebook et plus de 2 millions de vues sur YouTube. Trêve de commentaires, voici Chris Vigo dans le beat de la 2. Dans le beat de la 2. La Nam Proda. Chris Vigo. Changer la classe dans ton corps, pas besoin de forcer. Rends-moi grand maman, quel est ton secret? Eka Emmanuel Keita, Eka Emmanuel Keita est là. Eka Emmanuel Keita, Eka Emmanuel Keita est là. Thank you.
Fabrice Saoulon, Prince Digo, Chaban Digo. Beaucoup public, merci beaucoup. Chris Vigo, ça va? Oui, ça va très bien. Pourquoi tu te fais appeler Chris Vigo? Tu es l'homonyme de Jésus-Christ. Christ, pour la bénédiction et puis attirer la grâce sur notre vie. Et Vigo, c'est le nom de famille que je porte. D'accord. Il y a beaucoup, je ne fais pas de la polémique hein, parce que je ne suis pas polémiste. Il y a beaucoup d'influenceuses en Côte d'Ivoire. Pourquoi as-tu décidé de faire un hommage à Eka, que j'aime bien? Elle ne me connaît pas, mais moi je la connais. Donc pourquoi elle? Pourquoi pas d'autres? En fait, la petite histoire, c'est que avant que Eka ne revienne en Côte d'Ivoire pour la dernière fois, voilà, son staff Eka Landem m'avait contacté pour chanter quelque chose pour elle. Donc c'est comme ça que je suis rentré en studio en 2 jours. Et puis il a fait sortir le morceau. Et qui est-ce qui a arrangé? C'est une très belle chanson. Hein. Qui l'a arrangé? Mon agent s'appelle Nike on the track. Il est très connu dans le milieu? Oh oui, il fait beaucoup de rap ivoire. D'accord. Il habite quelle commune? Il est à Yopougon, Selmer. D'accord, on va le saluer. On va le saluer. Est-ce que derrière cette chanson, tu prépares quelque chose comme album? Oh oui, on ne prépare un album de 17 titres comme ça. D'accord. Déjà, on est au travail, on est au labo, d'accord, en train de préparer de grandes choses. On te souhaite de dompter non seulement le marché ivoirien, mais de t'ouvrir sur le marché international. Merci beaucoup. Merci d'être beaucoup. Passé au Beat de la 2. Merci, on va l'appeler bien fort. Merci beaucoup. Merci public. À tour de rôle. Comment tu t'appelles et tu habites où? Moi, c'est la Drill Squad. D'accord. J'habite au Caroline. Et Caroline peut l'applaudir bien fort. On va passer le micro à l'autre rapidement. Comment tu t'appelles? Moi, c'est le Mousta. Le Mousta. Le Mousta. Ouais. Le Mousta habite où? Moi, c'est au Caroline. Ah, deux candidats de Caroline. Comment tu t'appelles? Chara Tobina. Tu habites où? Bon, je suis à Gonzac ici. À Gonzac. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Lui, il est dans tous les quartiers de Gonzac. Voilà. Qui est-ce qui ne s'est pas présenté? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Chima 07. Je suis au quartier Éléphant. Éléphant. D'accord. Le principe de cette rubrique, c'est de dénicher des talents dans cette émission, comme vous le savez. Tôt ou tard, parmi tous ces jeunes que vous avez vus défiler ici, on aura des chanteurs. Pourquoi pas? On verra. On va commencer par celui qui a le micro. Tu vas choisir un bout de papier. Voilà. Oh. Tu as de la chance. Tu es tombé sur l'une de mes chansons préférées ces temps-ci. 1 à 2. Didi B. On écoute d'abord. On écoute d'abord. Vas-y. Dempster on the beat. Max Gradel. Maman là. On leur a demandé de l'aide, ils ont refusé. On s'est mis dans notre coin pour bosser, ils nous ont nargué. Ils ont dit partout que nous on peut rien créer. Aujourd'hui notre baraque a payé, ils peuvent plus parler. On a fermé la bouche, N A N O. On a fermé la bouche, N A N O. On a fermé la bouche, N A N O. Allez fermez, 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 N A N O. Allez fermez.
Merci beaucoup. Rappelle-moi ton nom. Chima, Chima. Chima, voici Didibé Chima. Mascadelle, Mamala. On leur a demandé de l'aide, ils ont refusé. On s'est mis dans notre coin pour bosser, ils nous ont largué. Ils ont dit partout que nous on peut rien faire. Aujourd'hui notre pas à payer, il ne peut plus parler. Ah, on a fermé la bouche, un à un. On a fermé la bouche, un à un. On a fermé la bouche, un à un. Allez, fermez, 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 un à un. Allez, fermez, 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 un à un. Merci beaucoup. Wow. Mets-toi carrément ici, ici, ici. Voilà. Ah là, le match est chaud. Viens, tu t'appelles comment? Rappelle-moi ton nom rapidement. Le Moussa. Moussa, choisis un papier. Voilà, tu me permets de lire ça pour toi. Alors dis-moi, tu aimes le rap ou tu aimes le zouglou? Le rap. Le rap? Ouais. D'accord, ça tombe bien. Tu as quelqu'un que j'écoutais constamment lors de ma dernière visite à Ripa, à Paris. C'est vrai, voici Nino. La vie qu'on mène. Gizo. Bientôt j'irai au ciel rejoindre une cuisse de petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles en crêpe. Pas très loin de Malia, elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé, maintenant. Gizo, merci. Avant que qui ne chante, je vais me transformer en rappeur. Vas-y, Nino. Que pour la famille, on a toujours fait que du sale, nos parents ne font que prier. Je retourne derrière les murs. J'y avais sa descente dans un 4 étoiles en crève. Pas très loin des Mayas, elle est chargée sur le maillot. Le nez dans les affaires, bébé m'a tout pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, je disparaîtrai comme aussi. Voyons comme un tête dédié. Un de temps de million, et c'est fait de se faire des idées. Quand t'es grand, notre rêve baisse. Vite, vite, je baisse. Pas dans le démaillé, elle est chargée sur le maillot. On est toujours en tas dans le pex. On fiche pour un matin, midi, soir, c'est frais. Oui, comme à tous les nous, si le gonza qu'on est frais. C'est le moustache sur le pied, je suis frais. Et check, il avait du son dans le pex. Il est belle, la coquille qui s'amuse, je suis honnête. On a tous le neuf. Merci beaucoup, Nino. Ici, choisis un papier. Oui, ah, tu es artiste. Ah bon, il dit qu'il est artiste. On verra si tu es artiste. Choisis un papier. Il dit qu'il est artiste, mais il va venir se essayer. Mais il est artiste coupé, décalé. Alors, toujours du hyper chopé avec un peu de R&B. Niska. Comment tu t'appelles? Attends, Big Gizo d'abord. Comment tu t'appelles? Regarde ici. Chara Tobina. Lex Duk Saga de Daloa. Vous pouvez voir sur internet. Duk Saga de Daloa. Vous allez voir. Ah, Duk Saga de Daloa. D'accord. On va voir si Duk Saga de Daloa peut être Niska de Gonzac. Allez, écoute la chanson d'abord. C'est la putain de vérité. Gang, gang, là j'allume ma weed dans le bâtiment. Je fume ma dope, ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment. Hey, tu vas pas me la faire, on prend pas par les sentiments. Les sentiments pour les gosses, je vais t'insulter poliment. Cougna maman, de toute façon si ça finit mal, si ça va au bout, je voudrais pas dire que c'est moi. Merci. Petit détail.
Et voici dans le beat de la 2, Niska de Dalois. On y va. Tu m'as dénigré, je ne sais pas moi dénigré. Laisse-moi mon père, tu n'es pas dénigré. Ce n'est pas parce que tu vois toutes les filles du quartier sont calées dans le quartier, elles sont bronzées. Je vois le malin pour elles, mais vois-moi aussi, elles sont femmes. Ce n'est pas parce que je vois les kids, j'ai du coupé décalé que tu vas te dire que je ne sais pas chanter sur tous les beats. C'est vrai que je suis du coupé décalé, mais je ne sais pas sur tous les beats. Ce n'est pas parce que tu me vois que tu vas te dire que je ne sais pas chanter sur le rap. Je vais chanter comme les rappeurs, mais je fais comme ce qui est d'actualité. Je ne sais pas chanter sur le rap, mais je fais comme vous. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez, vous allez vous. Merci beaucoup, Guizzo. Wow! Impro de l'impro. Dans le micro au suivant. On est dans le rap français aujourd'hui, dans le beat de la 2 avec la rubrique Big Show. C'est un featuring. Deux personnes que j'aime bien. MHD et Dadju dans Bébé. C'est ma vie sans toi, je vais pas terminer sans toi. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé. Des petits caprices tout le temps que j'ai pris sur moi. Guizzo, merci. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton nom, joli garçon. La Brille. La Brille, Brille. Ring. Brille. Drin. D'accord. Tu habites où? Gonzague, voici le duo, c'est un solo, mais qui est un duo. Voici MHD et Dadju dans le beat de la 2 pour Gonzague. Zézé. Oh là là, jolie nana, tu sais trop bien moi, c'est la mala. Celle-ci, c'est dans le bâtiment, avec tous mes potos, tu sais trop bien, on a fait du ça. Oh ah, je suis ton Dadju, ma baby mama, je prendrai soin de toi. Toi et moi, sous Panama, tu sais trop bien, on fait que du sale. Oh, faut pas me mounou mounou dans le dos, je suis fan de toi et tu seras ma go. Toi, ma bella à Chicago, Chicago, tu sais le mouvement. Merci beaucoup, merci, 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 merci beaucoup. Avec Oba. Heureusement que tu es seul. Si tu te multipliais par deux, c'était pas bon. Ok. Est-ce que c'est lui qui descend? Qu'est-ce que tu entends? Tu entends quoi? Que tu descends, non? Bah mets-toi là. Tu es honnête. C'est lui le grand gagnant? Tiens, qu'est-ce que tu entends? C'est lui le grand gagnant? Il descend. Il faut la demander. Il descend. Non, demande si tu restes aussi. Je reste. Non. Voilà, mets-toi ici. Mets-toi ici. Est-ce que c'est lui qui est le grand gagnant? Tu entends quoi? J'entends rien. Que tu as. Ouais. Ça va, oui. Ça va, oui. Mais il faut leur demander. Ça va, oui. Ça va, oui. D'accord, mets-toi ici. C'est lui le grand gagnant? Qu'est-ce que tu attends? Non, il faut leur demander, est-ce que c'est toi le grand gagnant ou bien tu descends? C'est moi qui gagne, non? Tu as droit à quelque chose que tu vas aimer. Merci beaucoup. Merci, c'était pour le jeu. Tout à l'heure, tu laisses ton nom. Je m'occupe de lui. Guizzo! C'est que Mousseau, c'est qu'on est toujours fort. Je vous ai dit, pourquoi pas pour dominant? De la mettre un rempli, la dépendre à sortir seul. Il est dans vous. DJ, en le sound. Coco, goli, coco. Koto koto bori koko, mais parler. Koto bori koko, koto koto bori koko, je suis papa. Koto bori koko, koto koto.
attends. Des palais. Tiens, 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 tiens. Attends, tu vois pas. Tiens, 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 tiens. Des palais. Tiens, tiens, tiens. Merci beaucoup. Si vous venez d'arriver sur RTI 2 en ce samedi, sachez que vous suivez la seule émission en Côte d'Ivoire qui a lieu sur les très belles plages de la Côte d'Ivoire. On risque de me répéter. Et aujourd'hui, spécialement, et comme tous les jours d'ailleurs, nous avons la bénédiction des cieux, des aïeux et bien évidemment de la météo. Je vais vous demander de réserver un bel accueil à une jeune dame, une influenceuse autodidacte, je vous le jure. J'ai eu un échange avec elle. Elle a un niveau sur deux. Mais quand elle vous parle, vous avez l'impression qu'elle a fait l'université. C'est magnifique. D'ailleurs, pour rappel, elle est suivie par 300 000 personnes sur TikTok, 400 000 personnes sur Facebook. Je m'arrête là. Elle dit dans sa chanson qu'elle cherche à se marier. Voici la Donia, la Donia, la Donia, la Donia, la Donia, la Donia, la Donia. Dieu n'a pas décidé de ton jour, tu resteras célibataire. Alunia, comment tu vas? Ça va? Tu es contente d'être ici? Ah, je suis très, très, très contente d'être ici parce que il faut dire que je suis une enfant de Gonzague, donc c'est une fierté pour moi de venir ici être avec vous. Tu m'as jamais dit ça? C'était le petit secret. D'accord. Dis-moi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec la sortie de ce single-là que tu viens de rejoindre ta véritable passion? Exactement. Mm-hmm. J'ai rejoint ma véritable passion. Parce que c'est, j'adore faire ça, j'adore être artiste, j'adore aussi faire le théâtre, faire rire les gens, rendre les gens heureux, ça me plaît. D'accord.
Depuis combien d'années tu es sur les médias sociaux? Depuis combien d'années? Parce que c'est là-bas qu'on t'a découverte. Hein? Oui. J'ai intégré les réseaux sociaux en 2021. Et voilà. Pourquoi? Je voulais au moins communiquer avec les gens à travers les réseaux sociaux et tout. Parce qu'il y a certaines choses que je voyais qui n'étaient pas justes. Donc, je voulais moi aussi apporter mes idées, mes critiques aussi. D'accord. Maintenant que tu viens de sortir une chanson, comment tes followers ont apprécié l'avènement de cette chanson? Comment? Comment ils l'ont accueilli? Bon, ils l'ont bien accueilli quand même. Hein? Et vous savez, il y a toujours des gens pour nous décourager. Mais quand tu sais ce que vie. Tu faut veux, laisser ça, c'est la ça vie. Va. D'accord. Public, c'est une enfant de Gonzague. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Ladonia? Merci beaucoup. Excellent samedi à vous. Si vous suivez cette émission le mardi dans l'après-midi, sachez que c'est la séance de rattrapage de Le Beat de la 2 que vous suivez. Quand on regarde un peu la constitution ou la composante de notre pays, il y a ce qu'on appelle le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, voici le pouvoir exécutif dans cette émission, le beat de la 2. Pouvoir exécutif. Florentin Kwaku. Atmanaka. Kipingi Watara. La foi nous amène à nous lancer, car Dieu seul connaît la vérité. Sous le soleil et la pluie, des temps qui construisent la vie. En gardant dans la tête, dans toutes choses, il faut prendre des risques. Je ne peux plus faire. Alors tu dois propre. Il faut des youya. Autorité valait. Tu dois te chercher au papa pour toi. Au cacrément. Tu dois propre. Au lieu de casser pour critiquer les gens. Tu dois te chercher au papa pour toi. Manioc qui devient checké. Namuna, kele kele namuna. Troufalé HPS. Kele kele namuna. La tante Aïcha, quand elle commence à son commerce, tu trouvais que c'était insignifiant ce qu'elle vendait. Yo, Nyonfa. Mais petit à petit, insignifiant devenu entreprise. Aujourd'hui, elle mangeait tranquille. Elle teignait mieux le parrain. Apprends de tes erreurs, car ce n'est pas encore fini pour toi. Tu dois te chercher pour toi. Y'a un plan à la pas blanche. Parce qu'à beaucoup. Marie Gota. Ma copata. Celui qui cherche y trouve. Baudouin premier. Alcaza premier. Merci, vous êtes content d'être ici? Bonsoir à tout le monde, nous sommes très ça contents. Ça va. D'accord, vous allez vous présenter? Voilà, moi c'est Kamse. Ouais, moi c'est Olo Bibi.
D'accord. Kamso, dis-moi, dans cette chanson, qu'est-ce que vous dites? La chanson parle des brobrosseurs. Est-ce qu'il y a les vrais brobrosseurs ici? Les vrais brobrosseurs. Voilà. Qui a arrangé cette chanson? C'est moi-même, je suis moi-même arrangeur. Tu es arrangeur? Oui. Ah bon? Ton studio, il est où? À la SIAD, Riviera SIAD. Waouh! Voilà. Qu'est-ce, à dehors de toi-même ou du groupe, quels sont les artistes encore qui sont passés chez toi? J'ai fait Les Patrons. Les Patrons? Oui, oui. Lequel d'album? Ou laquelle, le dernier album, Trésor. Trésor, là? J'ai fait deux titres. Waouh! Mon mari et mon zouglou. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est un pro, hein? Voilà. Alors, Kamso? Ouais. Ah bon? Ouais. D'accord, dis-moi, est-ce que vous êtes en train de préparer un album? Parce que vous avez un studio, vous n'avez pas les mêmes difficultés que beaucoup d'artistes. C'est pas faux. À tout moment, vous rentrez en studio, vous sortez quelque chose. Oui, est-ce qu'il y a un album que vous préparez? Ouais, tu sais, le pouvoir exécutif travaille toujours. Actuellement, on est en train de préparer un album. D'accord. Bientôt, bientôt. D'accord, je vous pose cette question parce que j'ai eu le temps de feuilleter un peu votre vie, mais je ne la connais pas totalement. Est-ce que vous avez déjà sorti un album? Oui, on a sorti un album en 2020. En 2020? Voilà. Qui s'appelle comment? Éclosion. 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 Voilà. Voilà. Malheureusement. Voilà, malheureusement, dès qu'on est sorti, un mois après, il y a eu la COVID. Tout à fait. D'accord. On vous est à l'œil. On ne va plus vous lâcher. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Et merci bon papa. Week-end à vous. Merci beaucoup. Merci à tous ensemble. Les gars. Alors, je suis avec quelqu'un. Ça va, comment tu t'appelles? Moi, je suis M. Goba Maxwell Goba. Alors, il change de ton. Hein. Quand il n'y avait pas la caméra, il était chaud. On dirait un piment dans son corps. Ça va bien? Tu habites où? Je suis à Djoufou, précisément, école anglaise. Attends, dis-moi, pourquoi tu aimes cette émission? Pourquoi tu aimes RTI2? Bon, le père, un jour, il était couché. Écoutez-le. Il était couché à 1h du matin, il était à RTI2. Il voit un peu mon vieux père Koutan Madé. Bon, il est dans la rue, il ment. Bon, il pose question aux gens, vous aimez TI2, vous regardez quoi, regardez cette chaîne. Bon, depuis ce jour-là, depuis que tu as commencé, samedi passé, il était ici. D'accord, on va s'occuper de toi. Merci beaucoup. C'est celui qui a porté les réalités sur le terrain. Bon. J'ai voulu avoir une vie de couple, elle m'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui, je me consacre entièrement à mon Dieu. Alors, les potes, tu me suggères. Merci, Guizo. Merci beaucoup, le Sony. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est le beat de la 2 que vous suivez. Et comme vous le constatez, on s'amuse très bien. Public, est-ce qu'on peut faire du bruit? Vous aimez les femmes, elles sont présentes dans cette émission. Celle que je vais vous présenter, sa carrière a débuté véritablement en 2017. Mais c'est avec le titre Mono qu'elle fut découverte véritablement en 2019. On lui doit des chansons telles que « Attends ton tour, défi » et « Je manque les mots ». Mesdames et messieurs, voici Mira Bracadé. Mira Bracadé. Mira Bracadé. Mono les gars.
Depuis là-haut, il voit tout, il sait tout. Un jour, il va te bénir au-delà de tes attentes. Je manque les mots. C'est vrai qu'elle chante bien, mais le médicament des jeunes de Gonzague vient. Ma fille, ça va ?
Comment tu t'appelles? Prisca. D'accord, merci beaucoup. Reste là. Mira, ça va? Ça va bien, Dieu fait. Dis-moi, ta carrière, c'est vrai, le Zouglou était en perte de vitesse féminine. Tu es venu rehausser le niveau. Aujourd'hui, il n'y a pas que toi. Il y a Jessica, il y a d'autres filles qui arrivent. Comment ça te fait de savoir que les femmes s'intéressent de plus en plus au Zouglou? Ça fait vraiment plaisir parce que je pense que les femmes aussi ont leur place dans ce milieu zougloutique. Donc, chacune, à sa manière, essaie de faire ce qu'elle peut pour que ça avance. Donc, si le résultat est pas fait, moi, je pense que on tombe dessus et puis on va à ça, quoi. D'accord, allez, allons à ça. Dis-moi, tu prépares maintenant un album parce que tu faisais de single en single. À quand l'album finalement? À quand l'album? Bon, l'album, c'est pour bientôt, mais je ne vais pas vite me prononcer. Mais pour l'heure, j'évolue en single. En single, hein. D'accord. C'est comme ça un peu la tendance dans le monde entier. On met des singles, quand ça prend, on continue. Toi, tu n'as pas de problème, hein, parce que tu as une communauté qui te suit. Tous les militaires de la Côte d'Ivoire te soutiennent. Tous les policiers de la Côte d'Ivoire te soutiennent. Tous les marins de la Côte d'Ivoire te soutiennent. Tous les gendarmes de la Côte d'Ivoire te soutiennent. Et en plus de ça, ceux-là te soutiennent pour à côté d'elle. À côté d'elle. Je Mira, manque un mot. Un mot à tes fans, vas-y. Un mot à tes fans. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, mon ami, fais le bien. Les gens vont beau parler, sois concentré sur tes objectifs. Faut pas chercher à plaire à tout le monde. Sache que Dieu même ne fait pas l'unanimité. Croyez en vous. Ok, merci. 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 Merci beaucoup de suivre cette émission. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec RTI 2 en ce samedi. On espère que chez vous, à la maison, vous passez de très bons moments. Nous ici, on fait la fête. On ne se prend pas la tête car tout se passe bien sur cette belle plage. Allez, une femme appelle une autre dans cette émission. À plus de 15 ans de carrière, elle est indéniablement une artiste à suivre de près comme du lait sur le feu. Je dirais même qu'elle est une artiste à suivre avec un grand intérêt, car chaque jour, elle se bat et elle bat des records. Si vous ne le saviez pas, entre 2021 et 2022, elle a fait le tour du monde. Australie, New York, Maroc, Belgique, la France, le Mali, le Burkina. Bon, je suis fatigué. Voici Madiane Fettini. Yala, Firiwe, Ninju Yelenya, Le.
banango Dembe waso ka worobala Nda bari baraba Bade maye nyon jaziga Nuya nyagamina a Firiwe ninjou sena samara Sissino, vive quoi pas toi? Abidjan Galoué, ma djane barana. Francis Galoué, ma djane barana. Amérique Galoué, ma djane barana. Ibedi adoye, ibewo adoye. Imadi minye ima woro. Ikadi a minye ima do woro. Teria te force. Forcé, chani muso ya te forcé la, canon te forcé la, papa laspe. Chani le ben jugu toro la, ne tu malo ne le ben jugu toro la, niya milio mina wole ben jugu toro la, niya voyage ba wole ben jugu toro la, niya koba ke wole ben jugu toro la. Nyamunu te bona, koro foli te kochianye, damere te bona, koro matigeli kerebete. Kunta made, le mannequin des animateurs. Nika force ngibe degeta, nika force ngibe kotota. Il faut faire un tonnerre d'applaudissements pour Mayenne Fitine, il est intouchable. Il est intouchable. C'est une machine à tube. Si vous lui demandez tout de suite de faire une chanson, elle vous sort la chanson dans deux minutes. Mayenne, l'émission s'appelle Le Beat de la 2. Je sais que tu as de la suite dans les idées. Fais une chanson rapidement pour Le Beat de la 2. Rapidement. Rapidement. Kouapich de la 2, Sungurulu, Mayenne, Meterela. Bij de la de kamere de nungwa ende me tegerela. Kamere nyuma nebe ya, joli gazo nebe ya. Sunguru nyuma nebe ya, savoir vivre le baila. Manja la sunguru lu, bij de la de batereke oala. Kunta madeko, bij de la de batereke, merci. Merci beaucoup. Tu viens d'arriver de la France. Après un trophée que tu as remporté au Mali, oui. Et si on en parlait, c'est quel trophée? Oui, un trophée meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Il faut l'applaudir. Hein. Dans Africa Show, et je suis allée en Guinée. Tout de suite, il y a eu le prix meilleure voix 2022. Il faut l'applaudir encore. Dis-moi, dernière question. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'aujourd'hui, la presse, toute la presse, hein, que ce soit les journaux, Internet, la télé, la radio, on dit que tu es la numéro 1 de la chanson Madingue. Qu'est-ce que ça te fait? Oui, je suis fière parce que seul le travail paye. Inch'Allah, on a beaucoup de tubes à être encore plus number one, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Madine.
Les chanteuses sont dans la place dans cette émission. Voici une dame qui est bilingue. Elle chante en Yoruba, elle chante aussi en français. Elle chante, elle vient pour la première fois dans cette émission. Le beat de la 2, elle rêve de faire une longue et belle carrière. On espère que le Seigneur exaucera ses voeux. C'est sa prière et c'est notre prière. Voici Vicky. Hacker Spiritual Beats. La traversée du désert, quand je l'ai invoqué, il m'a répondu. Il m'a pris de la boue, il m'a lavé, il m'a façonné, il m'a régénéré. Et aujourd'hui, la pierre rejetée est devenue la principale. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon espoir, en lui j'ai mis toute ma confiance. Il m'a soutenu. Vicky, l'artiste, exaucé, la chanson, très belle chanson, merci. Très rythmée, public, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Merci. Elle est très bien habillée, Vicky, elle est couturière, si on veut parler à tout le monde, mais si on veut parler à un monde rétréci, elle est styliste et modéliste, et si ça vous dit de vous faire habiller, elle est au masculin et elle est aussi au féminin. Merci. Vicky, on va parler de cette chanson. Oui. Est-ce que la chanson annonce la sortie d'un album? J'ai pas un album, mais il y a plusieurs singles mm-hmm. qui sont en route. D'accord. Ouais. Et comment trouves-tu l'accueil de mon public, le public le plus chaud de la Côte d'Ivoire? J'adore. Contente? Oui, tu es content d'être ici? Je suis content. Merci beaucoup. Et on te souhaite bonne chance. Merci. Et ne lâche rien, s'il te plaît. Merci. Voilà. Coucou et salut ma famille. Et ma,
ma chose, ce petit sein. Bon, coucou, je salue mes enfants, mes camarades chéris. Ouais, coucou, je salue mes parents depuis Katiola. Moi, c'est camarade Kevin. Coucou, moi, c'est Kassir. Je salue mes parents du côté de Kumasi. Je salue le Bid de la 2. Coucou, bonsoir, bonsoir, la famille. C'est Arnaud Jaguar, 247. Quand le chouchou d'Anna, je suis de Milano, testé la sensation pas. Coucou, c'est le grand idol. La famille s'est calée, forcément. Coucou, moi, c'est Mariam. Je salue la famille Boutique. Coucou, moi c'est Marie-Josée, je salue mes collègues depuis le call center. Je salue ma famille à Dabou. Au revoir, bisous. Merci. Moi je vais m'imposer quelqu'un. Tenez, papa, c'est moi qui vous impose ça. Vous appelez comment? C'est Soumaro. Coucou, je salue tout le public de RTU2. D'accord. Merci. Vous êtes content d'être ici? Très heureux. D'accord. L'ambiance merci. Et je vais parler à nos amis. Camieux. On attend que Fillon. Camieux. Camieux. C'est parce que vous êtes sympa, c'est parce que vous êtes gentil qu'ils sont là. Il faut les applaudir bien fort. Voilà. Ok. Tu parles anglais ou bien tu parles français? Je parle anglais. Français, do you speak English? Yeah, I speak English. What's your name? Ismail. Tell me exactly. I want to know if you are happy to be there. Are you happy to be there? It's very nice here. Do you like this show? Do you like c'est this show? C'est très bon. D'accord. Okay, I want you to greet something. Where do you come from? China. China? Yeah. Il faut saluer tous nos amis de la Chine. Listen to me carefully. You say, coucou, my name's Tong. I want to greet my friend. Okay, coucou. Merci beaucoup, c'est très joli ici. Okay. Donc, c'est l'heure de vous présenter maintenant dans le beat de la 2, une chanteuse, auteure, compositrice et penseuse. Elle fait de l'afrobeat, de l'afro-pop, de l'afro-trap, de la dancehall. Elle raconte, comme on le dit dans ses chansons, son vécu, sa belle histoire, dans ses différentes chansons, afin de toucher le maximum de personnes. Elle est belle, jolie, et nous croyons en elle. Voici Ayane. Le souvent le pic croustillant, mais tu ne peux pas manger, c'est pas pour toi. On me drague, c'est payé pas. Opéla me drague, c'est payé pas. Y'a les bonbons bien qui le drague, c'est payé, c'est bien. Sinon, on peut manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mis sa pellicule dans mon affaire. Mais les choses de la route, elles cognent pas. La route, elles cognent pas. Les choses où on doit justifier. J'aime pas trop la route, elles cognent pas. Les choses de la route, elles cognent pas. La route, elles cognent pas. Avec ça, il me gère. Parce qu'il veut me péter. Vos bons pains, moi, il peut manger tout. Pour moi, les Mongols veulent s'endetter. Pays, tu me critiques. Si elle me fâche, la 13 jamais sera la vendetta. Moi les mogols, si moi ils veulent, ils le. Ils sont tous fans de ma bouche, accro à mes toffes comme si c'était Audi couche. Joe, c'est payé à bonne éducation. Je veux pas salir ma réputation. Oh, sinon vos beaux gosses qui font sport, vos étalons, allez finir en équitation. C'est payé à bonne éducation. Je veux pas salir ma réputation. Sinon vos beaux gosses qui font sport, vos étalons, allez finir en équitation. Oh, drag. C'est payé pas. Vos pains là me drague. C'est payé pas. Y'a les bonbons pains qui me draguent. C'est payé, c'est bien. Sinon, on peut manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mis sa pellicule dans mon affaire. Mais les choses de la honte, elles cognent pas. La honte, elles cognent pas. Les choses où on doit justifier. Je n'aime pas trop. La honte, elles cognent pas. Les choses de la honte, elles cognent pas. La honte, elles cognent pas. Avec ça, il me gère. Parce qu'il veut me plaire. Pas l'argent dans mon bédou, c'est ton problème. Y'a pas de go, y'a pas de gars, c'est ton problème. Pas manger ma telle, mais où est ton problème?
de porter mes mabilla. Mais où est ton problème? Ah mon gars, pardon, faut te mêler de tes problèmes. Chéri coco, faut te mêler de tes problèmes. Où tu me vois, je suis là, je veux pas de problème. Si chacun regarde son côté, y'aura pas de problème. Aroutou, aragata, aroutou. Aroutou, aragata, aroutou. Demain faut m'arrêter ça. C'est pas sur moi t'as venu faire ça. Si Dieu t'a tout donné c'est bien pour toi. Ce que je fais ne te regarde pas. Si je dans le salon faut laisser ça. Si j'ai pas de voiture faut laisser ça. En tout cas c'est là faut pas mettre ton doigt. Tout ce que je sais c'est que ça fait partie de la vie. Tout ça fait partie de la vie. Des moments difficiles. C'est la vie, chaque pas son rythme. Faut pas nous stresser. Nazo avance mollo. Nazo avance mollo. Mollo. Arakata, 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 Aragata, 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 yo, yo, aragata, yo, Ayan. Alors, Ayan, tu cartonnes en ce moment et toutes les portes sont ouvertes pour toi. Dis-moi, c'est quoi ton futur projet? Il y a un nouveau projet qui est sur place. Mm-hmm. Je sais qu'ils connaissent déjà, j'ai pas envie de trop parler. Mais vas-y. Je sais. Et dis-leur. Quand toi, tu m'as boire. Mais non, on t'a. Tu veux revenir dans ma vie? Non! Non, non, non! Tu vas boire l'eau! S'il te plaît. Merci, Ayane. Ayane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le pied de la deux ce samedi, ce numéro est terminé. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, voici une vraie chanteuse à texte. Elle s'appelle José de la Tour. De la Tour. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un que tu n'aimes pas, le vrai point c'est que toi tu m'aimes, mais moi je t'aime pas. J'aime un autre, mais lui il aime une autre, donc je fais avec toi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu penses à moi, je pense à lui, lui pense à celle qui pense à un autre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Amour multiplié. Quand tu crois que t'es dans mon, mais t'es dans branchement. Tu penses que t'es dans mon, mais t'es dans branchement. Amour multiplié. Tu penses que tu es dans bon, mais tu es dans blanchement. Toi, tu crois que tu es dans bon, mais tu es dans blanchement. Si on fouille bien, nous tous, on est dans blanchement. Blanchement, dans blanchement, dans blanchement.
I'm with it.